Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Mme Romaric après 3 semaines d'hospitalisation à ce centre hospitalier pour cause de Covid-19. Là, vraiment, Dieu a fait grâce. Avec les docteurs aussi, je remercie Dieu. L'accueil et le suivi de cette patiente, la première à témoigner de cette pandémie, avec le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. Elle a été oxygénée, elle a été prise en charge avec tous les médicaments et voilà aujourd'hui on assiste à sa sortie. Et je vous informe que notre structure prend en charge ces malades depuis le mois de février 2020. Nous sommes actuellement à près de 50 cas que nous sommes en train de sauver. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de décès, mais il y a eu beaucoup plus de gens que nous avons sauvés et nous avons traités qui sont remis à la disposition de leurs parents pour continuer le traitement à la maison. Ceux qui ne croient pas, effectivement, c'est parce qu'ils ne voient pas. Nous sommes obligés de faire passer cette séquence pour que les gens croient à la maladie. La maladie existe et la maladie est en train d'être soignée à l'hôpital général Adolphe Cissé. La maladie est bel et bien là, en République du Congo, évitant le doute systématique. Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Mme Romaric après 3 semaines d'hospitalisation à ce centre hospitalier pour cause de Covid-19. Là, vraiment, Dieu a fait grâce. Avec les docteurs aussi, je remercie Dieu. L'accueil et le suivi de cette patiente, la première à témoigner de cette pandémie, avec le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. Elle a été oxygénée, elle a été prise en charge avec tous les médicaments et voilà aujourd'hui on assiste à sa sortie. Et je vous informe que notre structure prend en charge ces malades depuis le mois de février 2020. Nous sommes actuellement à près de 50 cas que nous sommes en train de sauver. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de décès, mais il y a eu beaucoup plus de gens que nous avons sauvés et nous avons traités qui sont remis à la disposition de leurs parents pour continuer le traitement à la maison. Ceux qui ne croient pas, effectivement, c'est parce qu'ils ne voient pas. Nous sommes obligés de faire passer cette séquence pour que les gens croient à la maladie. La maladie existe et la maladie est en train d'être soignée à l'hôpital général Adolphe Cissé. La maladie est bel et bien là, en République du Congo, évitant le doute systématique. Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Mme Romaric après 3 semaines d'hospitalisation à ce centre hospitalier pour cause de Covid-19. Là, vraiment, Dieu a fait grâce. Avec les docteurs aussi, je remercie Dieu. L'accueil et le suivi de cette patiente, la première à témoigner de cette pandémie, avec le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. Elle a été oxygénée, elle a été prise en charge avec tous les médicaments et voilà aujourd'hui on assiste à sa sortie. Et je vous informe que notre structure prend en charge ces malades depuis le mois de février 2020. Nous sommes actuellement à près de 50 cas que nous sommes en train de sauver. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de décès, mais il y a eu beaucoup plus de gens que nous avons sauvés. Et nous avons traités qui sont remis à la disposition de leurs parents pour continuer le traitement à la maison. Ceux qui ne croient pas, effectivement, c'est parce qu'ils ne voient pas. Nous sommes obligés de faire passer cette séquence pour que les gens croient à la maladie. La maladie existe et la maladie est en train d'être soignée à l'hôpital général Adolphe Cissé. La maladie est bel et bien là, en République du Congo, évitant le doute systématique.